permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ d'honneur il y a quelques jours, présenter au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, à réitérer nos condoléances les plus sincères et plus attristées, comme je le dis. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence, M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence, M. Choguel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçu aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Cet entretien a été très instructif, nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi et je viens parler à des frères. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Donc je tiens à particulièrement me satisfaire de cette rencontre qui nous a permis en tout cas de, comme on l'a toujours fait entre le Sénégal et le Mali, de mieux rapprocher nos positions. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais, au nom de mon parti, dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. Dans ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons, nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est cela qu'on reproche. Et donc, ça veut dire qu'on a changé. Nous continuerons à travailler. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement
ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillons sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Donc essayons, comme nos aïeuls l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations, qui sont des relations séculaires et fraternelles. Le président a été très ouvert. On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. Nous resterons unis conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je le remercie très fort et je remercie tout le peuple malien.